Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur Warzone, le Battle Royale de Call of Duty Vanguard. Et oui, je n'ai pas mis de casquette, je me dis pourquoi pas pour une fois, pour changer un petit peu, petite intro sans casquette. Et non, je n'ai pas de calvitie, j'ai d'ailleurs même beaucoup de cheveux. Enfin bref, on s'en fout un petit peu, c'est pas le sujet. Aujourd'hui les amis, j'ai trouvé le viseur parfait, le viseur anti-campeur. Et Dieu sait que sur Caldera, il y a beaucoup de petits rats qui sont planqués un peu partout. Et forcément avec toute cette petite végétation, ça devient compliqué de les voir, des fois ils sont cachés, ils sont là. J'imite bien, non mais j'ai fait rat troisième langue. Et donc du coup, bref, la classe, de toute façon, je l'explique un petit peu en détail à la fin. Elle s'applique, voilà, je l'ai utilisé sur le CAR-98, mais tu peux l'utiliser sur d'autres armes, bien évidemment. Et accouplé avec d'autres choses. Bon, je parle un petit peu en détail, donc je vais pas revenir deux fois, sinon je vais me répéter. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir, parce qu'on essaye, hein, parce que Caldera, c'est différent de Verdansk. Hier, il y avait les vidéos Verdansk, petit moment nostalgie, bien évidemment. Ça fait tous plaisir de le regarder. C'est vrai qu'on aimerait bien que ça revienne, mais bon, le sujet c'était hier, on va pas en parler aujourd'hui. Mais du coup, on essaye de s'adapter par rapport à Caldera en disant voilà, aujourd'hui on a que ça, il faut s'adapter, il faut essayer de trouver les bonnes solutions. Et je pense avoir trouvé avec cette petite classe là un combo de atouts sur l'arme, viseur, atouts, etc. Bah bref, plutôt sympa, intéressant. Et au final, pour toutes les personnes qui en ont marre, hein, et pour rester poli, quand on a quand même gros sur la patate, hein, de se faire tuer par des mecs, tu te dis mais il est où? Mais il est où? Je ne vois pas, je vis, je ne vois rien. Parce que c'est vrai que tu vois pas grand chose sur Caldera. Là du coup c'est vraiment la solution, ça fait plaisir, la game elle a cette petite intensité vraiment qui est... Ah, tu sais, tu te retiens toute la gueule, t'es comme ça, et quand t'arrives à la fin et que ça se termine, c'est comme... tu lâches un petit peu la pression. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis par rapport à tout ça dans cette vidéo par commentaire. Si tu kiffes, surtout, un petit pouce bleu, un like sur la vidéo, ça fait plaisir, c'est la récompense, je sais plus ce que j'allais dire, Et aussi, bah, abonne-toi. Des gens qui regardent des vidéos qui sont pas abonnés. Donc du coup, bah si t'es pas abonné, il y a un petit bouton s'abonner, c'est gratos. Bien, je précise, mais bon, c'est gratuit de s'abonner. Et tu peux même activer la cloche de notification pour être sûr de louper aucune vidéo. Parce qu'aujourd'hui, avec l'algorithme de YouTube, c'est vrai que des fois, on sait pas trop, on balance une vidéo en ligne. Mais bon, on a vu dernièrement d'ailleurs qu'il y a eu des recommandations de vidéos qui dataient d'il y a 10 ans. C'est pour te dire que il faut pas être pressé pour que les vidéos soient recommandées. Donc du coup, bah, si jamais tu peux mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, un commentaire, t'abonner, activer les notifications. Je sais que ça fait beaucoup, mais si tu fais tout ça, ça aide énormément, énormément. Et merci à toi, mon ami. Bref, trêve de blabla, les amis. Je vous laisse pour le petit gameplay sans plus attendre. C'est parti. Oh, mais mec. Oh, mais mec. Oh, les fils de... Vous allez devoir gagner votre liberté, soldat. Oh là là. Cette arme au goulag. Soldat ennemi en approche. Eh ben, je l'avais entendu, le petit filou. Hmm ? Ah si, ça l'a buté. Il y a une caisse de ravitaillement qui vous attend. Oh putain ! Ah ! Ah oui. Oh le chien! Oh le chien! Ah ouais! On avance. Je vais essayer de les mettre d'accord. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour... Ok, bah je vais chercher ma petite caisse, hein. Pas perdre de temps.
Ah, la caisse dans l'eau, c'est rare. Dispositif de reconnaissance aérien en ligne. On arrive sur zone. Largage tactique allié imminent. Je me déplace. Je sais pas ce qu'il attendait, lui. La mort. Elle est arrivée. Zone reconnaissance en position. Un drone arrive sur zone. Il y a lui dans le bat, quoi. Et un autre qui est derrière dans les airs. Ok, bien joué à lui. Du coup, il y a un autre derrière qui arrive. Frankie boy. Qu'est-ce qu'elle est bonne cette MP40 quand même. Je sais pas où il est hein. En tout cas, il doit avoir... Ah non. Elle était bonne. Alors, j'aurais peut-être dû mettre un ping, je sais plus exactement où est-ce que c'était. Ah là. Eh, hey, il est pas mignon ce viseur. Il est mignon. Drone ennemi au-dessus. Tu vois. Échec du contrat. Ok, il y a deux gars là-haut. J'avance. Deux gars là-haut. Mais sérieux? Et monsieur, il y a un moment, il faut arrêter de camper, non? Bon, lui, il va forcément bouger au moment où je vais avoir le dos tourné. Hein. Ah, c'est ma faute. C'est bon. J'aurais pas le kill, mais. Au moins, il a plus d'autoréa. Vous perdez du terrain. Vous avez échappé à l'ennemi. Bien joué. Bien joué, on va dire que... S'il est malin, il repasse par le bas, hein.
Je pense qu'il va plutôt attendre la dernière seconde pour sauter. Oh là là, c'est chiant. C'est chiant. Est-ce qu'il est encore là? Ok, il est passé par le bas alors. Bon. Il n'est pas fantôme, hein. Une équipe ennemie vous pourchasse. Restez sur vos gardes. C'est bien. Traquer coup sur coup, hein, ça fait plaisir. Oh merde. Il faut lui, hein. Qu'est-ce qu'il... Attends, est-ce qu'il va passer par là ou pas? C'était pas lui. Je sais pas, alors il est parti où, je sais pas. Il a dû courir. Et l'autre l'a poursuivi. Ok. Oh. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Oh la vache, mec! Vous avez échappé à l'ennemi. Bien joué. Là. Bon, on est dans la zone. On n'est pas trop mal.
Et on a encore 7. On avance. Laissez tomber. Ouf. Ok. Ah, c'est la zone. Shit. Le gaz arrive. On va avoir une nouvelle zone de sécurité. Oh, oh la zone que j'ai. Incroyable. Bobo celle-là. Elle fait bobo, elle fait plaisir, elle fait du bien. Eh mec, le car thermique. Oh là là. Oh là 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 là. Mon nouveau petit bijou, hein. Mon nouveau petit bijou. Pouf. Ah, c'est de la folie. Mec, c'est incroyable. Comme le gars à un moment qui était dans le pompier là. Tu vois, il savait que j'étais là, mais il me voyait pas trop. À travers les feuilles, je vois un petit truc, boum, headshot. Tu vois, c'est. Pff, petit 18 frags. Poi, aïe, aïe. Elle régale cette game. Elle régale. Quand j'ai vu la zone finale qui était pour moi, je me suis dit, waouh, magnifique. Tout simplement, je vous montre la petite classe là. Elle est là. Mal chemisée parce que. En réalité, le but, pourquoi utiliser le thermique? C'est que sur Caldera, t'as tellement de feuillage, tellement de trucs, tellement de machins que. Des fois tu vois pas vraiment les gars, tu vois. Ou si tu vois un bout, tu sais pas vraiment quel bout du gars t'es en train de voir. Donc du coup avec le thermique, bah tu les vois mieux. Balle chemisée parce qu'il y a tellement d'obstacles. Des fois tu sais pas, une brindille, un machin, ça freine la balle. Et donc elle fait beaucoup moins de dégâts. Il y a tellement de petits détails sur la map que bah, le moindre petit truc ça peut ralentir la balle et faire moins de dégâts. Donc du coup avec balle chemisée, pom, il y a pas de ça. Donc ça c'est magnifique, et du coup avec l'éclaireur de combat, bah forcément ça le ping, donc ça c'est magnifique. Et ma classe MP40, bon je suis pas vraiment sûr de... Mais elle fait le taf. Elle fait le taf. Alors on peut pas dire elle fait le taf. Hein. Le nombre d'éléments perturbateurs qui freinent la progression de la balle sur Caldera, c'est incroyable. Balle chemisée c'est vraiment un atout... Qui tu le sais même pas que ça te sert, mais ça te sert.